que le coca et le mentos, ça fait une explosion? C'est un mythe qu'on connaît tous depuis qu'on est petit. J'ai ramené coca, mentos, et attention. Thor, puissance maximum. Rick and Chain, il y a aussi PJ dans la vidéo. Et là, je te laisse commencer. Décapsule-moi ça. En vrai les gars, t'as déjà acheté du Coca-Cola dans une bouteille en verre? C'est un meilleur goût. Quoi? Ouais. On teste. Ouh. Ok, je sors les mentos. Est-ce que t'es prêt? Ça va exploser mon studio, merde. T'es prêt? 3, 2, 1. Ça passe pas. Attends, on peut le couper en deux peut-être. Bon, 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 bon. Merde, 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 merde. Merde, 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 merde. Le mythe est validé. Prochain mythe. Apparemment les gars, on mange des bananes du mauvais côté. Parce que oui, on ouvre tous les bananes par là. Mais tu sais que la vraie vitesse, c'est par là pour aller vite. Meilleur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas ouvrir la banane de ce côté et je vais aller de ce côté. On va voir qui finit la banane le plus rapidement possible. Ok, c'est parti. Ouais. 3, 2, 1. Ouais. Les gars, essayez d'aller plus vite de ce côté. Mais je pense vraiment qu'on peut faire les deux parce que les singes, ils ouvrent les bananes de ce côté. Donc les deux sont valides. Est-ce que les gars, vous savez que si tu manges une banane et que tu bois du Sprite en même temps, tu vas directement vomir? Unchained? C'est vrai? Bah oui. Ok, j'ouvre le Sprite, vas-y mange la banane. Ok, tiens. Sprite, let's go! Une bonne gorgée. Oudou, 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 oudou. Là, là, les gars, dans son estomac, c'est la fête. Regardez, regardez, regardez. Va-t'en, ça va? Mon estomac il est énorme. C'est toujours énorme quoi. Oh mec, j'ai que de rôter. Qu'est-ce qui se passe? Mec. Mec, je suis de côté là. Hé. Yes, vite validé. Ne mangez pas de Sprite avec la banane, sinon vous allez rôter et péter en même temps. DHM, est-ce que tu savais que si tu mélanges du Dr Pepper avec du Pepsi, ça fait le goût du Coca-Cola? Ah ouais? Let's go essayer les gars. Non, y'a rien, je ne juge pas le... Moitié Pepsi, moitié Dr Pepper. Alors là, t'as fait le mélange. Fait le mélange. Ouvre-moi cette canette maintenant. Ok les gars, je goûte le Coca. C'est Coca, ok? Coca classique. Tu connais le Coca, hop là, je donne le goût dans la bouche. Voilà, goût du Coca. Ça, ça sent les égouts. Toi? T'es méchant. Ok, maintenant on va goûter le mélange les gars. Goûte. Mec, c'est le même goût. C'est une dinguerie les gars, le mythe est validé. Attends mes frères, attends. Ça c'est impossible à différencier. Prochain mythe. Les gars, pour le prochain mythe, j'ai ramené Power Jumper parce que le chien est en train de délirer. Là, c'est normal, les gars, il est actuellement 3h15 du matin. Donc, il est en train de délirer, c'est normal. PJ, est-ce que tu sais que si on laisse tremper un œuf dans du Fanta pendant 24 heures, l'œuf devient rebondissant? Ça fait une balle. Une balle qui saute. Une balle qui saute. Prends en image, voilà, sur le côté. Donc, on met d'abord l'œuf. D'abord, on va mettre le Fanta. Ok. On va mettre le Fanta. Ok, mets-le dedans. Ok, donc je dois casser l'œuf et le mettre dedans. Non! Tu poses l'œuf comme ça avec la coquille. Moi je pense qu'on allait le casser, je suis dégoûté. Mais non, on en cassera plus tard. Tu le casse pas, pose-le doucement. Oui, doucement. Voilà. Donc là les gars, on revient dans 24 heures, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si l'œuf sera rebondissant ou pas. DHM, beaucoup de gens disent que le Coca et le Pepsi ont le même goût. On va savoir si aujourd'hui ce mythe est vrai ou faux. Ok, je laisse goûter, t'as du Coca, du Pepsi. Ok, déjà est-ce que pour toi ça a le même goût ou pas? Pour moi frérot, ça a pas le même goût. Dites-moi en commentaire si pour vous le Coca et le Pepsi ont le même goût. Je commence par le Pepsi. C'est gazeux, okay. Ça a un goût de coca un peu. Ouais. Pour moi les gars, ça n'a pas le même goût. Ouais d'accord. Ah mon gars, mythe brisé les gars, ça n'a pas le même goût. Du coup le mythe est brisé, le coca et le Pepsi, ça n'a pas le même goût, même si ça se ressemble. Les gars, j'ai envie de péter, je vais péter du coup. Tiens, pour le prochain mythe, on va voir si de la nourriture périmée rend vraiment malade ou pas. Dans l'une de ses dernières vidéos, il y a très longtemps cette année, t'as fait un record du monde. T'as fait une tour Oreo. Voilà la vidéo.
Et du coup frérot, je suis venu chez lui à Dubaï. Et moi j'avais des Oreos partout, j'en mange tranquillement et tout. Sauf que ces Oreos ils sont périmés depuis 2022. Depuis septembre 2022 ils sont périmés. On est en 2023 quand même. On est en 2023. J'en ai tellement acheté qu'il y avait toujours des restes. Genre des paquets entiers. Moi j'en ai beaucoup mangé. Et aujourd'hui on va voir si la nourriture périmée rend malade ou pas. Du coup vu que c'était Oreo, je vais te laisser en prendre quelques-uns. Sale bâtard. Depuis j'ai fait la vidéo avec Neil Manstour, j'en ai tellement mangé d'un seul coup que je suis devenu écœuré. Et ça me rappelle en fait des bons et des mauvais souvenirs. Bon appétit. C'est dégueulasse. Ah ouais. En vrai c'est dégueulasse. Les gars, la chaîne est aux toilettes. Mythe validé. Ouais les gars, ne mangez pas de la bouffe périmée. Pour ce prochain mythe, les gars, ça va bien chaîne. Pour ce prochain mythe, on va voir si de la bouffe périmée et de la bouffe non périmée, ça a le même goût ou pas. Parce que des fois sur les trucs industriels, ça a le même goût. Ça c'est des tout nouveaux Oreos, tout neuf. Et là on a les Oreos tout emmenés aux toilettes. Au niveau de la forme et tout, il y en a un, il est plus foncé. Ouais, ça c'est le périmé les gars, ça c'est le non périmé. Attendez, je vais croquer. Hyper craquant et tout. Moi j'ai la diff de ouf. Oh. T'as vu, t'as vu, oh. T'as vu, oh. Je recrache. Mythe validé les gars, acheter du non périmé, ça a meilleur goût. Cette boisson est incroyable, c'est la boisson pouce bleu, thumbs up. Est-ce que tu veux qu'on la goûte? C'est quoi, c'est une OP YouTube, c'est quoi? Pas du tout, c'est la boisson pouce bleu, c'est la boisson de la communauté. Gars, mettez un gros like, si vous êtes sage, on la goûte en fin de vidéo. Quoi ce goût? Les gars, on a dû changer de pièce pour des raisons techniques. Et du coup, pour ce prochain mythe, les gars, on a là deux citrons. Un des citrons va être mis au micro-ondes et l'autre non. Et apparemment, si on fait chauffer un citron au micro-ondes, il y a plus de jus de citron dans l'autre. Moi, j'ai le citron normal. Je te laisse mettre ton citron au micro-ondes. Donc, le micro-ondes est en train de tourner. Je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous allez voir la chaîne de ce mec et de ce mec. Salut. Sera en description. Bon, tant que ça tourne, mets ton like aussi. Bon, en attendant que ça chauffe, les mecs, je vais montrer une petite technique de basket. Arme, tu veux faire passer la balle entre les jambes, c'est simple, tu vois. Tu vas faire un petit mouvement comme ça, tu vois. Et ensuite, tu vas la récupérer. Hop là. Allez, on continue la vidéo. Donc là, les gars, j'ai le citron qui est pas chauffé. L'autre, il est encore dans le micro-ondes. Et je vais essayer de mettre le plus de jus possible. En sachant que c'est assez dur quand il est pas chauffé, les gars. Ok, les gars, moi j'ai fini. J'ai mis le maximum de jus de citron possible dans mon verre. On va voir Unchained. C'est comment? Waouh! Déjà, c'est hyper facile. Ouais, moi c'était super dur. Ah, c'est chaud, ça pute! Ça peut être aussi chaud, genre. Fais voir, c'est chaud. Ça va, c'est pas chaud. Ah si, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ah, c'est trop. Oh putain, je me suis brûlé les doigts. En fait, tu le tiens au début, t'as pas chaud. Et après, ça arrive comme ça. On a les deux verres qui sont à côté, les gars. Et comme on peut le voir, le mythe est validé. Il y a plus de jus de citron à gauche sur celui qui a été chauffé que sur celui qui n'a pas été chauffé. Gagné, mec. Mythe validé. Pour le prochain mythe, j'ai ramené un piment et non des piments. Pour ce mythe, on va savoir si c'est vrai ou pas. C'est que les pépins à l'intérieur du piment qui piquent ou pas. Ah, c'est pas les piments, tu penses c'est le pépin? Alors, il y a un mythe qui dit que c'est les pépins qui font piquer. Donc, on va enlever tous les pépins pour savoir si ça pique ou pas. J'ai coupé un bout sans pépins. Donc là, les gars, on a un bout sans pépins et on a un bout avec pépins. Frérot, je vais croquer et on va voir si ça pique vraiment. Ça va? Ça pique ou pas? Oh. Non. Bon, ça pique un peu les gars, même sans pépin. Avec pépin. Ouais, mais si ça pique déjà, comment tu vas faire? Non. Ah, j'ai envie de les gars, mais t'es validé. Attends, j'ai une solution pour toi. Mais tu dis que si tu prends du lait, eh bien t'as moins mal. Ah. Hey, repousse-toi, c'est moi qui dois boire. Ouais les gars, les deux mythes sont validés. Ça pique sa mère la tête. J'ai pris un tout petit bout. Regardez la taille. J'ai pris un tout petit bout, regardez la taille. Luigi, tu veux goûter? Non, c'est bon, moi je touche pas à ça. Bon, le mythe il est validé, c'est bon, il a pas besoin. Mais ta bouche. Non. Power Jumper. Là j'ai fait souffrir Unchained avec le piment. Est-ce que tu savais que si on mélange des M&M's au chocolat avec des pépins de maïs, ça fait des popcorn chocolatés aux M&M's? On va tester ça tout de suite là, j'adore les M&M's en plus. Là, tu mets les M&M's. Là, tu mets les M&M's. Oh, c'était beau. Les gars, on va mettre ça dans le micro-ondes. Normalement, ça fait des M&M's chocolatés popcorn. Wouhou!
Bien. A tout de suite, les gars. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, let's go. Ouh, ouh, t'es prêt? Oh, oh, c'est incroyable, frère. Attends, c'est bon? Attends, fais voir si déjà tout s'est transformé. Ils sont fusionnés, t'es mort. Incroyable, les gars. Il y a des mini M&M's sur le popcorn. Il y en a qui sont pas transformés, les gars. Faut que j'ai goûté. Goûte, vas-y, goûte, voir si c'est bon. Ok. C'est une dinguerie, la vie de ma mère, c'est incroyable. Une chaîne goûte. Un zéro bon. C'est validé, les gars. Miss Bijon, on va faire un additionnement. Milk plus Oreo. Il paraît que si on mange un Oreo dans du lait, c'est 10 fois plus meilleur. N'importe quel. Là, déjà, ils sont 10 fois meilleurs. Ça va être incroyable. Ah, mais toi, tu vas totalement, toi, en fait. Bah, tu vas tremper, frérot. Bah, mais moi, je trempe comme ça, sinon après, t'as les doigts mouillés. Ok, les gars, goûtez. 2, 1, go. Prends le bon dent. Elle est comment, les gars? Non, ça fond dans la bouche. Limite, tu l'es validé ou pas? Limite, t'es totalement validé, c'est 100 fois meilleur. Si on mélange de la banane et un bout de glaçon, ça fait de la fumée qui sort de la bouche. Oui, bien sûr. Et moi, quand je pète, ça pue. Non, ça, oui. Ok, on commence par le glaçon. On met oh. Ah, c'est froid. Oh, ton haleine, elle est fraîche d'ici, là. Les gars, c'est faux. Le TikToker nous a menti. Sprite 7-Up. Ouais. Ce mythe, il paraît qu'ils ont le même goût. Le déjà, même la goût canette, Sprite, frère. C'est la même. C'est la même canette. Ok, les gars, je vais commencer par goûter le Sprite. Maintenant, on va goûter le 7-Up. On va voir si ça a le même goût. Pour moi, les gars, Sprite et le 7-Up, ça n'a pas le même goût. J'ai l'impression que le Sprite, il est un peu plus acide, genre. Le Sprite est meilleur. Les gars, dites-moi dans les commentaires, vous préférez Sprite ou 7-Up. Et aussi, dites-moi si vous préférez Pepsi ou Coca-Cola. Apparemment, si on se bouche le nez quand on mange une pomme ou un oignon, ça a le même goût. DHM, je te laisse tester cette expérience. Moi, tu veux croquer? Mon gars, tu vas manger l'oignon. Ok, je commence par l'oignon. Oh, ça pue d'ici, les gars. C'est comment? Y a pas de goût, mais ça pique un peu. Moi, je l'ai le goût de l'oignon. Hein. Ça a quel goût? Ça a pas de goût, les deux. Juste l'oignon, y a un petit côté piquant. Je confirme, il pue de la gueule. Wouah. Non, les gars, mythe validé, qu'on se bouche le nez, on sent pas en fait l'odeur des animaux. Pas frère, par contre, j'en sens un peu trop l'odeur. Ah, restez loin de moi. Les gars, je vous rappelle que plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre le gros pouce bleu. Et là, cette fois-ci, Enchained, on va goûter la boisson thumbs up, la boisson pouce bleu. Attends, frère, t'as vu ton like? Il a mis ou pas? Non. C'est bon, il l'a mis. Let's go! On peut goûter la boisson thumbs up! On dirait du coca? On dirait du coca de fou. Ah, c'est pas du coca, frérot. On dirait du coca? Je suis désolé. Tu trouves? Ouais, vas-y, go. Je te laisse goûter. C'est quoi ce goût? C'est du coca dégueulasse. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci Petit d'avoir participé. Merci Enchained. Merci à vous, les gars. Pour les prochaines vidéos seront sûrement avec Enchained et avec Power Jumper. Je vous invite à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Oh.